Salut tout le monde, c'est Stevino. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va plutôt pas mal. On se retrouve aujourd'hui car lors des grosses compétitions FIFA, j'ai vu pas mal de monde qui désirait se lancer dans la compétition mais qui ne savait pas comment s'y prendre forcément. Et c'est pour cela que j'ai décidé de vous proposer une série sur comment devenir joueur FIFA compétitif. Pour ce premier tutoriel, je vais vous montrer deux sites sur lesquels vous pourrez effectuer vos débuts sans trop de pression. Ces deux sites qui sont FIFA versus EG4G organisent des tournois réguliers. Et sur toutes les plateformes, donc c'est ce qui vise un peu tout le monde. Et on se retrouve donc tout de suite sur le PC pour ce tutoriel. Donc voilà, on se retrouve sur le PC comme dit précédemment. Et donc vous tapez dans votre moteur de recherche ben, FIFA versus, tout simplement. FIFA Voilà, vous cliquez sur le FIFA versus tournoi et leader FIFA 14 pour PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 d'ailleurs. Donc voilà, vous allez arriver sur cette page d'accueil. Vous voyez tout de suite ben, que au-dessus vous avez l'onglet connexion et l'onglet inscription. Vous cliquez sur l'onglet inscription. Là, ils vont vous demander ben, plusieurs renseignements sur vous, votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre pays de résidence, votre pseudo, mot de passe et la confirmation du mot de passe, ainsi que votre adresse mail, si vous désirez ben, un compte forum ou non. Votre plateforme, donc voilà, comme j'ai dit précédemment, PS3, Xbox 360, PC, PS4 et Xbox One. Ils vous demanderont ensuite ben, de confirmer votre PSN, Gamertag ou votre ID origine. Donc l'ID origine, c'est plutôt pour les joueurs PC. Ensuite, ils vous demanderont un CAPTCHA, histoire de bien prouver que vous n'êtes pas un ordinateur et tout ça, donc que voilà, vous n'êtes pas un pirate dans quelque sorte. Ensuite, vous cliquez sur valider mon vous cochez. Voilà, vous cochez cette case, vous certifiez avoir lu les conditions d'utilisation, vous validez votre inscription. Ensuite, vous vous rendez sur votre boîte mail. Là, vous aurez un lien de confirmation. Vous cliquez dessus. Cela vous réorientera vers FIFA versus l'écran d'accueil. Et là, à ce moment-là, ben, vous êtes prêt à débuter. Donc voilà, vous voyez par exemple que voilà. Que même certaines équipes, donc comme les e-gamers, ben, organisent des tournois avec 50 euros de cash prize par exemple ici. Mais voilà, vous voyez, au début, je vous conseille plutôt de débuter sur ces tournois, donc tournois qui sont gratuits et où vous avez l'occasion ben, d'acquérir un peu d'expérience. C'est vraiment une très bonne chose dans un premier temps. Voilà. Donc vous voyez, il y en a à peu près pour tout le monde, à peu près toutes les heures, donc 14h, 20h30. Et ils ont supprimé ceux de 18h30 apparemment. Et alors voilà. Donc c'est tout pour FIFA Versus. On va entamer tout de suite sur Glory for Gamers, donc le deuxième site. Même chose, vous tapez dans votre moteur de recherche Glory for Gamers. Donc voilà, il est ici. On clique. On clique sur le premier lien, donc tournoi de jeux vidéo en ligne. Vous cliquez. Ça va vous réorienter vers la page d'accueil. Donc à ce moment-là, vous faites inscription. Là, vous avez deux méthodes d'inscription. Donc voilà, je m'inscris. Soit vous le faites avec votre Facebook, vous choisissez votre pseudo, mot de passe, confirmation du mot de passe. Soit et ensuite ben voilà vous je saisis mes informations personnelles donc votre civilité homme-femme votre nom prénom mail confirmation date de naissance vous entrez le CAPTCHA comme pour FIFA Versus histoire de valider que vous n'êtes pas un pirate. Ensuite vous faites je m'inscris. Alors là vous allez recevoir un mail de confirmation également. Vous cliquez dessus. Ensuite ça va vous renvoyer vers votre profil. Voilà, donc votre profil. Sur votre profil, ils vous demanderont d'entrer votre gamer tag, votre PSN, si vous êtes sur PlayStation, ou votre. Voilà. Donc, vous entrez vos informations et ensuite, vous êtes prêt à débuter la compétition. Donc, dans un premier temps, même chose, je vous conseille plutôt de ne pas commencer les versus time, qui sont des matchs en jeu, donc où vous misez de l'argent face à des adversaires qui misent de l'argent également, et le vainqueur remporte la mise. Je vous conseille plutôt donc de débuter sur les tournois gratuits, même si on a des payants. Par exemple, ici, vous voyez qu'il y a la Summer League, mais elle est déjà entamée. Vous voyez qu'il y a des tournois à 10 euros, 500 euros, voilà, bref. Moi, je vous conseille plutôt, donc vous voyez que là, il y a des dates bien définies, de commencer par les tournois comme ici. Donc, pour la gloire, c'est gratuit. C'est du 1 contre 1, bien sûr.
et ça vous permettra d'acquérir l'expérience. Donc voilà les amis, c'était tout pour ce tutoriel, c'était Stevenio, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau tutoriel donc concernant cette série, comment devenir joueur FIFA compétitif. Et moi je vous dis à bientôt, ciao ciao les